La sclérose en plaques est une maladie du système nerveux central qui comprend le cerveau et la moelle épinière. Le cerveau envoie des messages dans tout le corps. Les messages partent du cerveau, descendent le long de la moelle épinière, puis par les nerfs, et se rendent dans toutes les parties du corps. Les nerfs sont protégés par une enveloppe blanche qu'on appelle la myéline. Cette enveloppe joue le même rôle que la gaine de caoutchouc qui entoure les fils électriques. Lorsqu'une personne a l'ASP, la myéline est abîmée. Les messages du cerveau sont ainsi ralentis ou bloqués. C'est pour cette raison que des symptômes apparaissent. Les symptômes de l'ASP sont variables et différents d'une personne à l'autre. En fait, la nature des symptômes dépend de l'endroit où sont situées les lésions sur la myéline. Parfois, les symptômes restent, parfois, ils s'en vont. La fatigue est le symptôme le plus fréquent chez les personnes touchées par la maladie. La fatigue reliée à l'ASP est différente de la fatigue ressentie après avoir fait, par exemple, beaucoup de sport. Une personne ayant l'ASP peut être fatiguée après avoir fait des tâches courantes, comme aller à l'épicerie. Il existe plusieurs autres symptômes, notamment les sautes d'humeur, les faiblesses dans les jambes et dans les bras, les engourdissements, les pertes d'équilibre, les problèmes visuels, les douleurs, les pertes de sensibilité, les tremblements, les troubles de la mémoire. Il existe trois principales formes de sclérose en plaques. La forme cyclique, ou poussée rémission, la forme progressive secondaire et la forme progressive primaire. La forme cyclique est la plus courante. Elle est composée de poussées et de rémissions. Lors d'une poussée, des symptômes apparaissent ou s'aggravent. Par la suite, ces symptômes se stabilisent, puis diminuent ou disparaissent. C'est alors que commence la rémission. Certaines personnes ont souvent des poussées, alors que d'autres en ont rarement. Les poussées qui se produisent ne sont pas nécessairement de plus en plus fortes. On peut en avoir une plus forte, suivie d'une poussée de courte durée avec peu de symptômes. Certaines personnes ont la forme cyclique, mais un jour, il n'y a plus de poussée ni de rémission. Les symptômes sont toujours là et ils peuvent s'aggraver. Il peut aussi arriver que d'autres symptômes apparaissent. C'est la forme progressive secondaire. La forme la moins fréquente est la forme progressive primaire. Les symptômes apparaissent dès le début de la maladie et ils peuvent s'aggraver. Il peut aussi arriver que d'autres symptômes apparaissent. Les personnes qui ont cette forme ne font jamais de poussée. La sclérose en plaques n'est pas une maladie héréditaire, n'est pas contagieuse, est imprévisible, est différente d'une personne à l'autre, est variable, ce qui veut dire qu'il y a de bonnes journées et de moins bonnes journées, est rarement mortelle. On peut vivre longtemps avec l'ASP. La majorité des personnes ayant l'ASP n'utiliseront jamais de fauteuil roulant de façon permanente. La canne et le fauteuil roulant sont des outils qui peuvent être très utiles pour continuer à faire le plus d'activités possible. La sclérose en plaques touche principalement des personnes de 15 à 40 ans, dont trois fois plus de femmes que d'hommes. Personnes sont atteintes de SP au Québec et 100 000 au Canada. Le Canada affiche d'ailleurs le plus haut taux de sclérose en plaques du monde. Il n'y a pas de régime alimentaire particulier recommandé pour la SP, mais une saine alimentation aide à garder un bon état de santé général. Il est important de rester actif pour préserver, voire améliorer ses capacités physiques. Il est possible d'avoir une belle qualité de vie et de s'adapter à l'ASP. Être bien entouré aide à mieux vivre avec la sclérose en plaques. On ignore toujours les causes exactes de l'ASP. Mais plusieurs facteurs en seraient responsables. Les chercheurs font des études sur le manque de vitamine D qui pourraient expliquer pourquoi les pays qui ont moins d'heures d'ensoleillement ont un plus haut taux de sclérose en plaques. Les chercheurs croient que l'ASP est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire se dérègle et attaque la myéline.
ce n'est pas une maladie héréditaire, mais il semble y avoir un facteur génétique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une seule personne qui a l'ASP dans une famille, mais parfois, il y en a plus. Par exemple, une grand-mère et un oncle. La recherche sur la sclérose en plaques se poursuit pour en connaître les causes exactes et la prévenir. Les chercheurs tentent de trouver d'autres traitements afin de ralentir l'évolution de la maladie et pouvoir, un jour, la guérir.